Salut tout le monde, c'est Pixel. J'espère en tout cas que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette magnifique musique sur... Beer Factory, tu vas en avoir plein. Oh là là, les enfants, j'espère que ça vous fait plaisir. On se retrouve donc, comme je l'ai dit juste à l'instant, sur Beer Factories, sur le playtest. J'ai été invité pour le tester. Nous allons voir ce que ça va donner. Nous sommes, pour les amoureux de tous les réglages et des super graphismes, en épique. Nous sommes en plein écran, en 1920 par 1080. L'audio, j'ai essayé de le régler parce qu'autrement... Voilà. Ça pète les oreilles. Voilà, j'ai essayé de régler au mieux. On va même le baisser au max. Oh là là, cette musique telle. Oh là là là, allez c'est parti. Difficulté, donc en mode normal vous jouez avec l'expérience de jeu telle qu'elle a été conçue. Francis est présent, et eh bien écoutez, on va voir Francis, mais moi je préfère l'appeler Francis, Francozich, et c'est parti. On est excités les enfants, on est excités, début, oh là là, d'aventure. Avec la magnifique musique, encore une fois, oh il y a un transpalette, oh là là. Oh là 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 là. On va pouvoir peut-être se balader. Je vois qu'il y a une voiture là-bas. Et vous pouvez voir sur le côté... Oh là là ! Un personnage. Oui. Avec le budget que l'on a, on a pu acheter cette vieille usine. Avant de commencer à travailler sérieusement, allumez le courant, nettoyez l'usine et faites quelques rénovations. Il y a une machine dans la partie condamnée de l'usine laissée par le précédent propriétaire. Peut-être pourrait-elle être restaurée. En attendant que vous nettoyez l'usine, je vais essayer de trouver quelques subventions. Avant de vous quitter, j'ai entendu dire que l'usine a été squattée, mais ce n'est peut-être qu'une rumeur. Oh là 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 là, regardez les enfants, regardez, alors je me suis mis en QWERTY. Oh là 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 là, j'aime bien, j'aime beaucoup. Oh, il y a un camion, on peut y aller, vous croyez? Vous croyez que je peux partir, genre... Ah non! Ah non! Bon, bah, il y a un camion. Bon, eh ben, j'ai été bloqué sur une vitre, quoi. Eh ben, écoutez, comment qu'on fait? Lever les barrières, on avait la clé. Bah, on aurait pu enjamber, hein, mais bon. Donc ça, c'est notre fameuse Beer Factory, les enfants. Et nous allons devenir un mania de fou, hein. Un mania de la bière. Par contre, les mecs qui vivent là... Ils ont... T'as les cheminées juste à côté. On est à Vancouver, les enfants. Alors, eh bien, écoutez, on ouvre la porte. Faites-vous un café, en boire, hein, vous permettra de courir. D'accord. Oula! C'est un enfer. Regardez, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah oui, bien entendu. On est en 1971, hein, les enfants. Ok, il y a rien qui fonctionne. Mais elle fonctionne, regardez. Tout est pourri, mais la machine à café, elle est neuve, les enfants. On n'a même pas changé l'eau à l'intérieur, c'est-à-dire que on va avoir plein de bactéries. Magnifique. Oh là là, regardez les bactéries. Regardez, c'est du pétrole. Oh là là. Oh là 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 là. On va dead. Allez, un petit café. Merci. Jetez un œil au tableau électrique. Ok, on est parti. Ah, c'est de l'autre côté. Oh là là, trouver et ramasser le fusible. Bon, pour le moment, on est aidé. Et heureusement, parce qu'en difficulté maximale, je crois qu'on n'a pas le mec qui nous dit. Hein. Donc tu cherches. Ah, oh, fusible. Mettez le fusible à... Oula, c'était quoi ça? Ah, c'est moi qui ai le fusible, d'accord. Mais bon, on va le mettre. Comment qu'on fait? Oh, hey, je suis le vrai propriétaire. Sors de ma maison. Ouah! C'est lui, Francis! Chasser le clochard en lui lançant des objets? Oh, alors là, mon gars! Merde! Viens ici! Viens ici! Ah! Viens ici!
Faut que je trouve des trucs. Attendez, non. J'arrive, hein. J'arrive, Francis. J'arrive. Francis, j'arrive. Allez. Et boum. Oh là là. Ouah. Ouah. Ouais, et calma, ça, gars. Oh, je t'ai raté. Ouah, le ninja. Ouah, le ninja. Francis, ne te sers pas dans ma machine à café. Francis, casse-toi. Et boum. Ah, mais ça lui a rien fait. What? Mais oui, mais... Ah, il faut peut-être un autre objet, ça ne marche pas. Va-t'en. Ouah. Alors là, mon gars, j'arrive. Attendez. Quittez. On peut ouvrir, là? On peut pas ouvrir. J'aurais adoré y aller avec le transpalette. Il est où? Francis? Merde! Attends, j'arrive. J'ai mon sac poubelle qui me suit pas. Oh! Esquive! Ouah! Et boum! Ouah, la coupe! Ouah! Ouah, regardez! C'est Christian Clavier dans Les Visiteurs! Ouah, la coupe! Oh là 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 là, collectez, merci! Allez, va-t'en, Francis! Oh là 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 là! C'est le début d'une grosse aventure, les enfants. Ouvrez la porte de l'usine. Allez, c'est parti. Ramassez un sac poubelle et jetez-le à la benne. Juste un, les gars. Un sac poubelle. Hein. Où est la benne? Ah. Attention. Hop. Bah, raté. Hein. Attention. Voilà. Achetez votre serpillière au magasin. Ouais, on était sur Beer Factories hein, à la base, hein, les enfants. Ah, il y a tout qui fonctionne. Ah, oh là là, la serpillère, nécessaire pour un espace propre. On a quoi? L'atelier qui nous permet de... Le kit parfait pour un homme à tout faire, d'accord. Et on a un chariot élévateur. Et là, je peux pas... Société de construction. Ouah. Ouah, ça va loin. Eh ben écoutez, on prend ça, hein, pour le moment. Ouah. Regardez. J'adore les jeux de... Les jeux de simulation et... Ah non, mais c'est... C'est énorme. On a un travelling pour une serpillière. Oh là là. Ouah, les enfants, regardez. Oh, j'ai fait un bonhomme. On change jamais l'eau, hein, bien entendu. Hein. Ils auraient pu faire un jeu de nettoyage, en fait. C'est vachement excitant, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Wouh! Attendez. Vous allez pas m'avoir comme ça. Regardez, il y a des traces là. Ah non, c'est le carrelage qui a des traces. Je peux le mettre où? Ah non, il est dans mes affaires. D'accord. Acheter l'atelier de bricolage. Ah, on a gagné de l'argent. 1000! Mais je vais faire le ménage plus souvent. Oh là 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 là. Voilà, j'avais envie. Le mec désagréable possible. Oh, vous avez l'habitude, c'est pour ça que vous me suivez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Équipez-vous de votre caisse à outils. Menu de construction. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Acheter et placer une étagère. Oui, mais attends. Attends. Ah bah c'est... Cette musique. C'est énorme, moi j'adore. Je pourrais passer des heures à tout nettoyer là. On va essayer de nettoyer un peu. Parce que là on suit le tutoriel, mais j'aimerais bien quand même un minimum nettoyer. D'accord. Ah ouais, ça fait un sac poubelle direct. On n'a pas besoin de tout faire en fait. Ça me fait des points. Ah ouais, regardez, hein, ça commence à être nettoyé. Ah oui, on a un sac poubelle qui est devant. C'est vrai, c'est quand j'ai voulu chasser Francis. Francis, le ninja. Ah là 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 là. J'espère que ça va être complet. Hein. Tu sais qu'il y a les camions qui viennent et tout. Il y a une casquette, là.
Ça doit être, je sais pas, un easter egg. Alors, attendez, je finis de nettoyer ici. Voilà. Oh, vous avez reçu une nouvelle pièce de tuning. Ah ouais, on va tuner, les enfants. Ah ouais, ça déconne zéro, on va tuner la factory. Ok. Je savais pas que ça s'appelait tuner, moi je pensais que c'était juste décoré, quoi. Non, on va la tuner, les enfants. C'est bien, ça me fait des points, je suis à 12 déjà. Et ça, non, on peut pas y toucher. Ça, on peut pas l'ouvrir. Et on a encore des trucs à nettoyer. Ok. C'est dommage qu'on puisse pas le mettre dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est... On le fait, on finit, et après on va continuer à placer les étagères. Ne vous inquiétez pas. Mais j'essaye quand même un minimum de ranger. Ah, d'accord, j'avais le truc qui restait affiché. Bon. Oh, c'est buggy. Bah, merci. On avait un petit bug. En même temps, c'est le playtest. Le jeu est encore en développement. Depuis un moment en plus, hein. Beer Factory, ça fait un moment qu'il est en développement, le jeu. Donc ça, c'est bon. Ça, je le ramasse. J'ai vu que ça donnait rien quand on le met dedans. Ouais, ça me donne rien, ça. Là, je suis déçu. On a presque tout rangé. Comme ça, quand on va placer les étagères, ce sera propre, vous voyez. Hop! On est déjà... Ah oui, la réputation qui augmente de fou. Ah ah! Tuning, combustion. C'est parfait, ça, je ramasse. Je vais essayer. Hop, de le mettre là. Oh là là, on a James Blunt qui nous accompagne avec sa guitare, quoi. Bah voilà. Tout est bon dans le cochon, les enfants. Et là, tout est fait. Et derrière, je sais pas si ça nous appartient. On verra ça plus tard. Je veux... Fermer ma porte. Je peux pas. Bon, c'est pas grave. Alors, acheter une étagère. C'est ça? Bah oui, Pixel, oui, c'est une étagère. Oh bah non, annulé. Ça a bugué. Je t'ai pas dit de la mettre là. Ah. Ah ouais, d'accord. Je peux pas... Ouah, c'est bugué. Ouah. D'accord, et c'est complètement buggé. C'est... Ah d'accord, il faut que je vise le sol. Validé. Il faut que je la construise. Voilà. Utilisez votre caisse à outils et vissez les vis. Oh là là. Ah ouais. Beer's Factory. Non, vous avez pété un câble. Non. Beer Factory où tu dois visser toutes les vis d'une étagère. Je sais pas, c'est comme si tu jouais à Sandra Lederman et qu'en fait, tu devais littéralement t'occuper des chiottes des nanas qui font de l'équitation. Vous avez craqué, les gars. Simulation. Allez, visse-moi ça. C'est complètement craqué du cul. Oh non, mais... Oh putain, c'est un enfer. Je vous jure. Oui, on peut gérer la rotation, mais merci, quoi. Allez. Ah, oh, c'est énorme. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, on est dans la connerie. Les développeurs qui m'ont passé le playtest et moi qui... Après, je m'amuse. Ceci dit, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé sur un jeu de simulation. Voilà. Trouver le premier sup.
Comment vous dire j'ai tout vendu. Je peux pas. J'ai. Et donc, on se retrouve. Après cette petite ellipse, j'ai dû recommencer la partie. J'ai rien nettoyé. C'est rôle bazar, regardez. J'ai. Voilà, parce que c'est le bordel. Donc, trouvez les premiers supports de votre étagère. Ils sont ici. Voilà. Comment on fait? Ah, faut les rotationner. Ouais. Changer la rotation. Mais ça veut pas. Ah si, ça me le change comme ça. Oh, attendez. Ah, d'accord, ça se met comme ça. Ah ouais, bah si je les vends, on l'avait dans l'os rétinien, les enfants. Nickel, les plateaux. Je me disais aussi, ça donnait rien. Et voilà, notre première étagère. Augmenter la réputation de l'usine au niveau 2. Et ben c'est parti. On va enfin pouvoir mettre le level 2, les enfants. Le level 2, ça veut dire de vendre tout ça. Viens ici. Oh là là, le level 2 nous attend. Beau lancer un... Oh purée, vous imaginez ça en vrai? Oh punaise, c'est un enfer. Bon, dans tous les cas, ça a plus bugué. On est bientôt au level 2. Je crois que j'ai juste à vendre celui-ci. Et je vais laisser quelques sacs de sacs poubelles au cas où. On va suivre le tuto. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec... Il faut que vous mettiez 5 sacs poubelles à la poubelle. Et en fait, tu te retrouves à... Mais j'ai déjà tout fait. Ah oui, mais il y avait un truc là. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Oh là 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 là. Bonne nouvelle. J'ai trouvé des subventions pour votre usine. Parce que j'ai rien foutu et vous avez tout fait. Ok. Avec ce montant, vous pourriez faire détruire la séparation à l'intérieur et rénover la machine au fond de l'usine. Si vous avez besoin de plus d'argent, il y a des investisseurs intéressés. Allez sur votre ordinateur pour avoir plus d'informations et voir les conditions. Ok. Par contre, on n'aurait pas mieux fait d'appeler Valérie D'Amido? Non? Non? Bon, parce que en fait, je suis en train de tout faire, quoi. Oh là 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 là. Achetez une nouvelle extension pour votre usine. Oh là là, c'est où? C'est ça? 200, ouais, ça va. Je vois qu'il y a des livraisons aussi. Oh là là. Achetez. C'est où? Oui, mais attendez, c'est où l'extension? Oh, ah ouais, mais on achète une extension, elle est dégueulasse, l'extension. Bon, non, je vais pas le faire. Le jeu, il va me dire de le faire et je vais m'en trouver bloqué. Alors, l'engraineuse. Tac. Oh là 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 là. Le matos qu'on a, les enfants. Regardez ce zoom rétinien. Avec cette musique, on dirait qu'on... Ouais, on dirait qu'on est dans un jeu de bagnole. Accepter un contrat en utilisant votre ordinateur. Mais je fais que ça d'être sur mon... C'est ça? Un particulier investira une petite somme dans votre entreprise. 1000 bénéfices, ouais. 25 000. Ah non, c'est un contrat, pardon. Raffiner 15 sacs de malt brut. Hop là, contrat accepté. Commander une palette de sacs de malt brut. Est-ce qu'on va le voir Bah ouais, il y en a. Commander. Est-ce qu'on va le voir nous livrer? Conduire la palette. Ah! Elle est où? Où est ma palette? Ah oui, en plus, c'est des... Ils sont... Ouvrez les portes derrière du camion et déchargez-le. Mais il est où le camion? Oh, il vient! Oh, j'avais raison! J'arrive! Ah, le seul problème, c'est que les contrôles sont inversés. Oh là là. Oh là là! Oh, trolololol! Oh, c'est inversé! Ouais, bah c'est bon, calmos les hein? Voilà. Ah non! J'arrive.
Oh, c'est inversé! Je suis en QWERTY, hein. Voilà. Et faut pas qu'il se barre, là, parce que s'il se barre... Ouais, faut pas que je me trompe. Non! Voilà. Et... Oh, putain, mais c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout des ongles. C'est le bordel. Ouah! 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 Mais non! Oh le bordel. Jamais trop ramasser le... Là. Au revoir sac. Oh le bordel. 10 Ah, nettoyer, d'accord. Oh là là, oh là là, oh là là. Raffiner un sac de malt. Quelques conseils, hein, dans le menu aide. Il est où le menu aide? Graineuse est la première machine que vous obtiendrez. Elle a une grande importance dans le processus de brassage. Elle peut moudre n'importe quel type de grain, et dans notre cas, elle servira à moudre le malt et le houblon. Pour commencer, puis ça, hein. Nettoyez régulièrement en air pour éviter qu'elle ne se mette en mode sécurité et produise un bruit aigu. Assurez-vous de prendre le temps de... Quand le conteneur est rempli avec au moins un sac utilisé pour activer le processus d'enrayage, attendez que votre cercle sorte. Ici, vous trouverez 3 commandes. Un... Oh putain, mais c'est vieux. Un verseur vous permet d'inverser la direction des convoyeurs. Speed augmente la vitesse du convoyeur. Hein. Tant que le levier sera posé, quand même. Pour engrainer un assassin, non mais vous êtes sérieux là? Vous avez vu les contrôles? C'est censé... Vous êtes des fous. Je prends ma palette. Réinitialiser la rotation. Putain, et je bouffe la palette hein les gars. Littéralement. Hein. Voilà. Ah, je l'ai raté. Voilà. Attendez. Je vais m'en occuper. Attendez. Là. Est-ce que je peux réutiliser mon... Ah non. Merci. J'ai eu peur que ça soit buggé de fou, en fait. Ah oui, c'est à moi de le... Ah ouais! C'est à moi... Yes! Magnifique. Oh punaise. Donc en fait, si j'ai juste envie de tester un truc, est-ce que je peux recommander? Genre, si je le recommande là, je fais genre ça, commander, et normalement, je peux même acheter le. Non, je sais pas, commander. Il vient là, il me livre. Ouais, il me livre. Chariot élévateur, je peux pas. Non, attends, oui, attends, attends, attends. Wow, 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 doucement, au bout d'un créole, doucement. Allez, hop. Mais c'est inversé! C'est un enfer! C'est que je veux me faire un peu plus d'argent, vous voyez. Je veux le faire moi-même, et pas attendre que... Ouvrez les portes. Montez. Et cette fois-ci, on va essayer de bien le faire. Oh là 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 là, le talent d'un homme jusqu'au bout des ongles. Hein.
Vas-y doucement. Vas-y doucement. Oh là là, ça, c'est un enfer. C'est un enfer. S'il vous plaît. Non. Allez. Je vais mettre un peu de temps. Hein. Non. Mais... Je vous jure, je fais pas exprès. C'est. Non, mais ça. C'est un enfer. Je voulais bien le faire et c'est pareil en fait. Ça. Ah, c'est. Oh, je pleure quoi. Ah, oh, punaise. Ah là 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 là. Et ça, ça me donne du matos ou pas là? Ah, ça a disparu. Acheter un chariot élévateur. Alors attendez. Bah oui, mais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. Je suis Keblo! Mais lâche-moi le truc! Wouah! Wouah! Je vais mettre. Je vais le relancer. Raffiner un autre sac, voilà. Oh l'enfer! Il fait nuit, hein, c'est pas grave. Ah ouais, ma voiture, on a laissé éveilleuse. Oh, ok. Je vais me prendre un café, par contre. J'étais bugué du cul, quoi. Un café. On peut pas allumer la... Là. Bon. J'ai une lampe torche. Ah ouais, carrément. Le mec, il paye pas ses électricités, mais il a la lampe torche. Raffiner un sac de malt. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, non? Oh là là, l'enfer. L'enfer sur terre. J'ai déjà un sac, hein, normalement. Ah non, pas du tout. Bon, eh ben... Allume-toi. Allez! Voilà. Tac. Voilà. Oh, l'enfer. Acheter... Le chariot elevator de chez Mech. Ça, c'est un truc de Mech, ça. Trouver la première fourche. Attends, déjà ça, je le mets là. Voilà. Trouver la première fourche. Hop. Ah ouais, on est obligé vraiment de tout faire, quoi. Ça, c'est bon. Et la deuxième. Et en plus, c'est compatible avec celui qu'on a acheté. Conduire. Oh là là. C'est inversé, ça aussi. Eh ben. Ah non, et là, c'est pas inversé. Alors. Ah oui, d'accord. Attendez. Attendez. Résoudre la rotation. Alors, ça. Oula. Parfait. Je peux ouvrir le pick-up? Non, je peux pas ouvrir le... Alors, je prends mon malt. Oh là là! Oh là là, ça sent le... Oh, ça sent le caca, ça. Oh là là! Oh putain, ça part dans tous les sens. C'est un enfer. C'est un enfer. Je vous jure, j'appuie là pour reculer. Hein. C'est pareil qu'avec le chariot à main. C'est un enfer. Ouais, c'est bon. Verrouiller la palette. Elle est verrouillée. Donc c'est à dire que je peux la lever. Oh là là. Oh l'austérité quoi. Oh, je le sens mal. Je le sens. Yes! Yes, yes, yes.
Oh, il y a du carburant à gérer en plus avec ça. Ne jamais faire ça. Ma voiture ! Ah d'accord, c'est lui qui l'a. Mais ne jamais laisser ça comme ça. Faut toujours les mettre en... c'est pas grave. On s'en fout. Complétez votre premier contrat. 15 ! 15 ! Mais vous avez craqué, il m'en faut 15 ! Bon, mais vous avez compris, les enfants. Vous avez compris. J'espère en tout cas que cette petite présentation vous a fait plaisir. Quand il y aura des nouveautés, peut-être qu'on le fera. Si ça se trouve, vous voudrez l'intégralité. Si vous voulez l'intégralité, qu'on fasse une série dessus. Bon, c'est un playtest, je sais pas combien de temps j'aurai encore accès. Mais n'hésitez pas à me le mettre. Pour l'heure, eh ben, c'est plutôt sympa. Il y a plein de bugs, il y a plein de trucs. Mais oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé. Je vous fais l'énorme bisou. Oh, le World Trade Center. Non, ça s'appelle pas comme ça. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais il y a King Kong là-haut. Eh ben, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Hola, que día, es comprar el cuicui.